Merci beaucoup pour cette introduction. C'est un plaisir d'être ici. Je pense qu'il y a à la fois des choses très, très intéressantes qui ont été dites et aussi un esprit en fait, qui souffle dans ce colloque qui est assez rare et qui nous rafraîchit beaucoup de colloques très ennuyeux que nous avons les derniers 12 mois. Donc, justement, dans cette présentation, nous avions ce pressentiment en fait que ça risquait d'être intéressant et donc on a changé notre exposé. On est comme un exposé assez ambigu sur le projet Time Machine, qui a 500 institutions, c'était par l'Europe, enfin il y a plein de trucs extraordinaires sur le monde du patrimoine. On s'est dit pour une fois on va essayer de parler du sujet du colloque plutôt que de vendre tout le temps notre projet. Et donc on a fait un peu l'exercice avec Isabella, donc vous pouvez pardonner éventuellement le caractère partie improvisée, mais on essaye d'amener quelques pierres, en particulier, et par rapport à ce qui s'est dit ce matin, on essaie de se projeter dans les 20, 30, peut-être plus, encore plus loin en fait dans le futur, sachant que les musées sont des institutions millénaires, et donc l'importance de comprendre les mouvements globaux et leur évolution est probablement importante pour imaginer un peu et répondre à la question du corps. Je laisse tout la parole à Isabella pour... En fait, on prend de ressources d'inspiration certains éléments assez récents. Donc, ici, vous voyez l'exemple de la contrôle du Parthénon. Vous connaissez probablement toutes et tous cette histoire, c'est-à-dire qu'à un moment, à la fin du XVIIIe siècle, et plus précisément entre 1801 et 1804, c'est un Anglais, c'est Lord Elgin, qui était l'ambassadeur anglais à Rennes du Royaume ottoman, commence cette œuvre de spoliation de l'acropole, qui, il faut le dire, à ce moment-là, était la vraie ville, et le quartier, en particulier le quartier turc de la ville d'Athènes, comptait 14 000 maisons. Et les monuments les plus importants, comme par exemple l'Érechtheion était devenu une poudrière, les Thésaïon une église, la Tour des Vents un teke pour les derviches tourneurs, et même dans les ruines du Parthénon, il y avait une mosquée. Donc, Lord Elgin, probablement pour des raisons aussi de préservation, de conservation, ça il faut aussi le dire, et aussi dans la logique politique de l'époque, essaye de prendre les statuts avec tout un long travail de négociation avec les autorités de l'époque qui vont signer plusieurs firmes pour permettre à Lord Elgin de prendre les œuvres des années à Londres. Il s'agit des 12 statuts du fronton, de 156 plaques de la frise, 13 des torts. La frise aussi du temple d'Athénanique et ça c'est la chose la plus étonnante, une cariatide de l'Érechtheion qui a été substituée avec une colonne entière qu'on peut encore voir aujourd'hui. Donc tout ça, pourquoi ça nous intéresse? Parce qu'à un moment, le musée de l'acropole d'Athènes et donc le ministre de la culture grecque demande la restitution de ces sculptures. Et tout ça ouvre, je dirais, le débat, qui est le débat, un des débats plus importants de notre époque, c'est-à-dire, tout d'abord, quels sont les droits des musées en Europe vis-à-vis d'un patrimoine que la plupart, plusieurs fois, a été un fruit de spoliation conduite ailleurs. Donc, d'abord, quel est le statut de ces objets qui sont dans les musées. Après, quel est le droit, justement, des pays qui réclament les objets originaux. Donc, un moment où les changements politiques font que les pays d'origine sont aussi devenus plus stables et donc qui vont garantir probablement la conservation et la préservation, c'est le cas justement de la Grèce et du musée de l'acropole d'Athènes. Et plus en général, quelles sont les possibilités pour le futur de créer des surrogates, d'autres objets qui essayent de circuler à la place des œuvres originelles. Il faut dire qu'à partir du 2014, l'UNESCO a pris en charge cette discussion aussi et essaye de trouver un
Catherine, et tout comme une convention entre la Grèce et l'Angleterre. Autre exemple, bien plus récente, petite controversie entre la France et l'Italie sur le prêt de l'Uomo Vitruviano de Leonardo da Vinci, qui est actuellement à la galerie de l'Accademia di Venise, et qui va être finalement prêté au Louvre pour la grande expo sur les 500 ans après la mort de Leonardo da Vinci. Évidemment, vous probablement vous savez, même si la Belgique est un peu moins touchée de cette querelle, mais l'héritage de Leonardo, plus en général, la légitimité de plusieurs œuvres de Leonardo da Vinci entre France et Italie, on était à plusieurs reprises mises en discussion. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que, par exemple, le droit, donc la loi, n'a pas pu répondre à cette querelle, donc si c'était légitime ou pas de prêter cette œuvre à la France, et la discussion a vraiment été jusqu'à la politique, ce sont finalement les ministres de la culture de la France et de l'Italie qui ont arrangé un échange. Donc, en Leonardo et de Raffaello prêté à l'Italie pour l'expo sur Raffaello qui ouvrira prochainement dans plusieurs mois. Et donc, la discussion, finalement, a été résolue seulement avec un cadre politique. Donc, face à tout ça, très intéressant l'expérience de la copie, du facsimile. En 2007, c'est Adam Blow, grâce à la volonté de la Fondation Eccini de Venise, qui essaye de numériser les noces de Cana, c'était le grand tableau qui se trouve justement derrière de la Gioconda. Donc, quand vous entrez au Louvre, tout le monde regarde la Gioconda, comme on a dit, la personne regarde à l'autre côté, il y a les noces de Cana de Paolo Veronese. C'était la première fois dans l'histoire de l'art, je dirais aussi dans l'histoire de sa reproducibilité, qu'une copie de 7 mesures, donc de 7 dimensions, a été créée. Donc ça a été un très grand travail, parce que donc, le Louvre avait obligé Adam à travailler sans lumière directe, seulement avec la lumière naturelle de la salle, sans aucun contact avec l'œuvre originelle, avec un équipement démontable qui était démonté pendant le jour, donc le matin, et remonté le soir, donc pendant la nuit. Et il s'agit d'une numérisation qui mélange les techniques numériques, mais aussi certaines techniques plus artisanales, comme par exemple la toile avec le craie, sur laquelle est imprimée la version numérique du tableau. Un grand travail avec un degré de précision incroyable. Il s'agit de 1591 files pour une taille de 400 gigabytes, donc très précis, une copie bien plus précise de ce que l'œil humain peut détecter en arrivant. Un grand travail logistique aussi de transport. Il s'agit d'une œuvre qui a été spoliée après l'expoliation napoléonienne, donc après 1797, et était aussi coupée en 6 morceaux, et avec la même manière dans laquelle elle a été prise, a été replacée à l'endroit originel, donc le réfectorio dei Frati, dans le monastère des Bénédictins de San Giorgio Maggiore. Il faut dire que cette œuvre a été très débattue. Donc, au 2007, moi, je faisais mon doctorat en histoire de l'art, et ça a été un moment de révolution parmi les historiens qui étaient tous plus ou moins contre la reproduction du tableau. Et par contre, certains médias, surtout on dirait anglophones comme le Times ou le Guardian, qui étaient très pro en disant c'est incroyable l'idée de reproduire des œuvres, peut-être ça ouvrira des nouvelles portes et un nouveau futur pour les musées, parce qu'on est de plus en plus confronté à des cas dans lesquels déplacer les œuvres est impossible pour X raisons de conservation, d'opportunités politiques ou simplement de volonté. Et Anne Bertour, très intéressante aussi, une fois, donc il y avait énormément de débats avant de placer l'œuvre dans son lieu originel, et une fois que l'œuvre était en place,
été sans doute considéré comme un travail estimable et sans valeur. Et toute la discussion est tombée et finalement, déjà ça, c'est ça relève de la préhistoire de cette technique et aussi de la préhistoire de ce débat autour de l'opportunité de faire ou ne pas faire des vaccins et des autres. Disons, depuis quelques années, en fait, c'est au travers de ces grands facsimilés, juste pour se rappeler aussi l'exemple de l'ASCO aussi, l'arrivée de technologies, de procédés qui mêlent, et ça qui est intéressant, à la fois une très haute technologie d'un côté, mais d'autre part aussi un grand artisanat. L'histoire de l'ASCO, vous la connaissez probablement, un premier site ouvert à côté, un troisième mobile et un quatrième aujourd'hui. Qui a été fait en bas de la colline. C'est des éléments qui sont relativement peu débattus dans le cas de la préhistoire, ils ont été beaucoup plus évidemment dans le cas de l'œuvre d'art originale, la question de la migration de l'aura, mais ça ouvre finalement une porte dont on voit finalement les prémices depuis une dizaine d'années vers ce rapport à la réplique. La réplique aussi, je vais juste vous montrer ceci, elle concerne aussi les livres, parce que de ce point de vue-là, la question de la bibliothèque, elle est exactement la même que celle du musée, finalement, c'est la question de conservation. Dans le début de nos travaux à Venise, c'est le travail de José Albertin et Giorgio Marcalitandro, des systèmes justement pour faire la tomographie des livres, considérer les livres comme des volumes et pas simplement comme des éléments de contenu ont été déployés. On voulait montrer justement que, en tout cas, pour tous les livres qui ont plus de 200 ans entre eux, des éléments de fer dans leur rang, qu'il était possible de déployer des technologies qui permettaient, par les rayons X, justement, d'avoir une représentation véritablement volumique du livre et qui permettait ensuite l'extraction a posteriori des pages. Et ça, c'est de nouveau un procédé encore un peu spécifique, mais on voit que petit à petit, la logique veut aller vers la logique industrielle. Alors, c'est compliqué, il faut monter des projets, il faut des gens qui croire dans le marché de ce genre de choses, mais cette logique d'une numérisation effective, intégrale et systémique et quasi industrielle de grande cohésion dans ces nouveaux procédés, elle est débattue, on verra si elle aura lieu, on verra sous quelle échéance elle aura lieu, mais elle se renforce suffisamment d'année en année. Ce passage finalement, d'une chose qui relèverait de l'artisanat, à une numérisation massive. Vous montrez un exemple de certains partenaires de la Time Machine qui sont aujourd'hui à Fraunhofer Institute, dans lequel justement ce système que vous connaissez peut-être, qui est un système qui fait la numérisation des objets en 3D, mais de manière entièrement robotique. Vous avez un premier dôme en fait, qui prend une version en trois dimensions de l'objet par-dessus, et puis vous avez le couplage de ce dôme avec un bras robotique qui va calculer automatiquement les angles morts et permettre vraiment une forme de sérialisation de procédés pour construire des modèles 3D en haute résolution. Alors on sait que le passage du modèle 3D à la réplique effective demande un certain nombre d'étapes, et ces étapes sont encore aujourd'hui artisanales pour la même raison que la matérialité, effectivement, n'est pas quelque chose qui se numérise de manière aussi simple, mais il ne faut pas négliger le fait que ce sont des systèmes qui sont aujourd'hui en place et qui ont des capacités de déploiement qui dans les 5-10 prochaines années seront relativement effectives. Donc, il faut les mettre aussi en rapport avec ce qui se passe aujourd'hui sur la numérisation de l'environnement. Ici, ce sont des images de la société Iconem qui développe de la numérisation par drone, société française qui fait la numérisation du patrimoine. De nouveau, ici, on a une forme d'automatisation, de robotisation. Le drone est entièrement piloté de manière automatique. Il produit par les calculs une représentation du terrain qui ensuite va être traité par l'ordinateur et forme une représentation d'un certain état de la réalité qui va être archivé dans le temps et dans l'espace pour petit à petit combler des pièces d'un grand poste. Donc, tout ceci a finalement construit petit à petit une certaine utopie, ce qui est une utopie, si je
on peut citer Borges ou d'autres, mais on cite Stockrash de Stephenson qui parlait dès 92, 92 de l'idée qu'on aurait la Terre dans notre main de manière informatique et qu'elle puisse, par ce modèle, enfin, dire, en grosse résolution, être utilisable presque comme un bien commun. Et bien, c'est l'histoire qu'on a vu se développer dans les 20 dernières années d'une société comme Kio qui a été rachetée par Google, qui est devenue Google Earth, qui s'est ensuite structuré pour devenir l'ensemble des services que vous connaissez et utilisez aujourd'hui, et l'arrivée de ce qu'on pourrait appeler progressivement la capture photonique totale du monde, qui est une espèce de représentation d'une parcelle de plus en plus grande des espaces sous la forme de modèles qui atteignent des degrés de photoréalisme. Alors ils contiennent toujours la question du temps, puisque il y a une espèce d'inconnu ici, c'est une réalité à un moment donné, mais qui permet de considérer un autre espace, l'espace de la représentation pour le autre option. Ce qui est intéressant, dans le cas par exemple de la société Econem, c'est de nouveau les images que vous voyez ici, c'est la manière dont immédiatement ces modèles en tant que tels ont donné lieu à des expositions. Ici vous avez des extraits des expositions qui ont eu à l'Institut du Monde Arabe, aussi une version qui a été faite au Louvre, dans lequel le modèle lui-même, dans son immersion, on va dire, naturelle, devient l'occasion d'un voyage et peut être mise en scène pour montrer une autre réalité au sein même de l'espace, qui sont des espaces musées. Et donc il y a tout un enjeu de comment apprivoiser finalement cette masse numérique qui arrive, quel rôle elle va jouer, et comment le musée va se placer par rapport à ceci. Pour rester encore un instant sur cette question-là, quand on plisse les yeux et qu'on voit en fait vers quoi on va, eh bien on rejoint une notion qui est aussi une notion pas tout à fait récente, qui a plus de 25 ans, mais qui a été remise au jour récemment par un article de Kevin Colley dans Wired, qui s'appelle le monde miroir. C'est l'idée qu'il y aurait un deuxième monde superposé au monde actuel et qui serait notre accès futur à l'information. En gros, le web a été une première structure, on va dire, encyclopédique qui a été finalement dominée par Google et par ses moteurs de recherche. Vous avez eu les réseaux sociaux qui ont produit une fragmentation de la réalité, toutes les questions qu'on discute aujourd'hui, sur la capacité de les influencer politiquement. Ceci est lié à une autre plateforme qui a été Facebook, mais vous avez une troisième plateforme qui est en train d'arriver, et cette plateforme, ce serait le monde miroir, qui serait ce double du monde direct, dans lequel les informations numériques sont collectées, sont réalignées au contexte. C'est j'utilise mon smartphone, j'utilise les lunettes de réalité augmentée, et je vois une surimpression du monde, et je peux accéder à une réalité qui est intrinsèquement une réalité en quatre dimensions, puisque ce que je vois est peut-être aussi une représentation de fait du passé, et je peux de cette manière-là avoir un rapport extrêmement différent avec l'information de superposition de cartes de diabète. Le point qui nous intéresse, en particulier dans le cas du temps, qui est une des notions finalement qui est implicite dans beaucoup des éléments mesographiques, c'est cette agilité que donne dans le monde miroir la gestion du temps. Comment je peux tout simplement avoir un slider temporel et voir comment était l'endroit où je me trouvais il y a 50, 100, 500 ans, comment je peux aussi peut-être me projeter dans le futur de cette manière-là, comment je peux accrocher des événements dans le monde miroir indépendamment ou de manière sonologique et indépendante du monde réel. Il y a une notion très importante, cette spatialisation temporelle qui va avoir des effets sur notre perception et donc aussi remettre en question la question du récit muséographique, on va dire, traditionnel. Je vais vous donner quelques exemples. Le monde miroir est aussi un monde qui va contenir des représentations photoniques du passé. Ici, c'est une carte de vous souvenir tout petit, il y a des années qui défilent. En reprenant les photos de l'IGN sur Paris, vous pouvez reproduire une représentation en 3D de l'évolution de Paris qui a un caractère mathématique, c'est-à-dire qu'elle est entièrement construite par rapport à un procédé qui est un procédé de captation photographique et de recalcul de géométrie sur cette base-là, et donc qui de ce point de vue-là est très facilement alignable avec les représentations en haute résolution qui vont avoir lieu dans les prochaines années. C'est plus compliqué, mais c'est ce qu'on a en partie tenté de faire dans le cas vénitien. Isabella et son équipe ont développé, en partant de l'ensemble de la littérature disponible et des
et des éléments d'archives, des premières reconstitutions dynamiques de l'évolution de la ville et son habitat, c'est loin d'avoir quelque chose de stable, parce qu'évidemment, il y a une quantité d'informations extrêmement grande, mais malgré tout, c'est l'ouverture d'un espace, de négociation, un espace sur lequel on peut éventuellement avoir la contradiction, de dire nous ne sommes pas convaincus que ça s'est passé de telle manière ou de telle autre, nous avons un point ici de désalignement, mais petit à petit, cet espace du passé qui devient en tant que tel un espace de non seulement de médiation, mais aussi de co-construction de la connaissance. Donc tous ces éléments-là sont en train de s'aligner probablement dans une plateforme future dans les 10 prochaines années. Et donc ça pose la question du musée, désolé d'avoir fait cette espèce de détour, mais est-ce que ceci va dissoudre le musée? Quel est le rapport au musée avec cette espèce de représentation et d'alignement patrimonial dans un autre espace? Et s'il y avait ça, ça irait bien, mais il y a un autre problème qui vient avec, c'est que une partie des technologies qui permettent aujourd'hui ces représentations vont de pair absolument avec ce qu'on pourrait appeler un nouveau régime du faux. Donc, je repasse la parole à Isabelle sur ce point. Vis-à-vis, plus on a des algorithmes qui sont capables de recréer l'originel et l'authenticité, qui sont aussi capables de recréer un faux, justement avec la même logique, parce qu'ils sont entraînés sur la réalité. Juste pour vous donner un exemple, The Next Rembrandt, c'est le projet qui est parti en 2016 pour créer un nouveau Rembrandt, qui est en fait un fake, donc c'est un faux, mais à travers l'apprentissage profond, grâce à 346 tableaux de Rembrandt qu'on a entraînés à la machine sur 160 263 fragments de tableaux et un système de reconnaissance des visages et aussi un système 3D qui permet de simuler, d'imiter les coups de pinceau de Rembrandt. Tout ça avec une précision de 48 millions de pixels, c'est-à-dire que c'est presque plus précis que le tableau de Rembrandt vrai. Et donc ça, c'est impressionnant parce qu'on ouvre encore un autre statut qui va bientôt se poser pour les conservateurs et pour les institutions patrimoniales, c'est-à-dire comment on peut, parce que finalement les musées et les bibliothèques et les archives aussi deviendront les détenteurs, les dépositaires de l'authenticité aussi, et pas seulement d'un patrimoine X générique. De nouveau, les choses vont vite. On était il y a quelques années avec ce Next Rembrandt. Ce qui s'est passé dans les deux dernières années, c'est que ces algorithmes qui ont la capacité, qui sont basés sur le fait même qu'ils trompent d'autres algorithmes qui doivent détecter le vrai et le faux, arrivent aujourd'hui dans le degré de photoréalisme qui sont impressionnants. Évidemment, ces deux personnes n'ont jamais existé, ni celle-ci, ni toutes les autres, dans leur capacité finalement à comprendre des espaces de texture. Ça semble extrêmement réducteur de le dire, mais c'est précisément comme ceci, en fait. C'est-à-dire qu'un espace des visages, aujourd'hui, un espace qui est résolu du point de vue de l'espace des textures, c'est-à-dire qu'il y a un espace latent sous-jacent, à partir d'un nombre aléatoire, je peux générer une image qui sera une image photoréaliste convaincante. Donc il y a évidemment une question de la croyance en image qui n'est plus jamais en fait, mis à l'exposition, mais vous avez surtout cette espèce de continuum, qui est un continuum qui n'existait pas, et quand même, cette fois-ci, l'art du faux, finalement, et qui va interroger, qui commence évidemment par le trivial, ici, les stars du cinéma, les photos normales que vous avez, mais qui demain est sur l'œuvre d'art, et va donc interroger, alors à la fois dans son authenticité, mais aussi dans sa continuité. Et ça, c'est ça qui est relativement intéressant, parce que à partir de là, il faut faire quelques projections. Donc, alors, on pourrait imaginer, et donc là, on rentre évidemment dans un hasardeux, c'est que les originaux seraient archivés dans cette espèce de grand dépôt, et ça, on en parlait précédemment. Seules les copies survivent et circulent, puisque de toute façon, ça fait des guerres d'État maintenant, si on peut en prêter une ou une autre. Et de fait, il y a une question de la conservation, et des questions de la chaîne de l'authenticité deviennent des enjeux absolument majeurs, dans lesquels, évidemment, ceux qui gèrent les collections vont un rôle à jouer. On retrouve des idées encyclopédistes, on n'est pas si loin de Paul Leclerc ici, ça fait plaisir d'être dans exactement dans ce district, mais une seule base peut-être pour tous les objets du monde, un identifiant qui permet non seulement d'identifier l'objet, mais de voir en fait que ça n'a plus de valeur d'identifier, de pouvoir associer cet objet avec un modèle 3D et donc la capacité de produire par des procédés absolument certifiés, donc qui pose la question de l'artisanat qui est encore aujourd'hui dans la copie, des répliques qui seraient authentiques, ce sera probablement assez cher pendant un certain temps, donc peut-être intéressant, parce que du coup, on
peut éventuellement faire une circulation de ces œuvres. Et puis, autour de ces doubles, l'arrivée potentielle, grâce au monde miroir, grâce à ces simulations, à une réintroduction du contexte. Ici, quelques images justement des expositions qu'on a fait dans le cadre de Time Machine, dans lesquelles, grâce à ces reproductions, finalement, des personnes qui ne sont jamais à Venise, qui ne connaissent rien de l'histoire de Venise, ont la possibilité de naviguer dans des espaces sans objet ici, qui conduisent à des formes de recontextualisation dynamique. Ici, quelques images de la Biennale de l'an dernier à Venise, dans lesquelles justement toute l'histoire vénitienne sur le gravure vénitienne était en partie réévoquée, reconstruite à partir de ce procédé. Donc on voit qu'on a ici, disons, un paysage complexe qui se forme, qui inclut des éléments immersifs, qui inclut des éléments collectifs, et qui nous permet de construire et peut-être de conclure sur quelques prédictions hasardeuses, qui nous permettent de commencer quelques réflexions. D'abord, cette hypothèse, à voir, sous quelle échelle de temps, mais de l'impossibilité de déplacer les objets. Et donc, cette impossibilité de déplacer les objets conduit effectivement à un grand péril pour ce qui constitue une des bases de connaissance de base, qui est l'exposition. Donc, l'exposition est fragmentée, définitivement fragmentée. Donc, une tendance à court ou moyen terme pour numériser et archiver les objets, l'importance de l'identification des répliques, l'échelle d'authenticité qui sont garanties par des acteurs de confiance, et les technologies de traçabilité, donc c'est une espèce d'alliance entre les technologies, aussi la technologie du faux, la technologie de la traçabilité, donc il faut une espèce de combinaison de ces deux choses-là, et d'ici quelques décennies, peut-être les expositions temporaires qui côtoient essentiellement les répliques, et essentiellement les recontextualisations, donc il faudra interroger leur capacité effective à produire de la connaissance, mais c'est quelque chose qui semble assez naturel si on suit nos hypothèses. Et puis, en parallèle, une grande question, ce monde miroir, s'il arrive véritablement dans les 10 prochaines années, une situation dans laquelle le musée rentre dans le monde miroir, il est lui-même qui fait partie du monde, donc je peux venir au Louvre et voir comment étaient les salles du Louvre dans le passé, indépendamment du choix des curateurs du Louvre, ça c'est une chose très importante, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'entrée du numérique encore plus forte dans l'espace du musée, sans le contrôle de celui qui possède éventuellement l'espace en tant que tel, ou qui en a la gestion. Mais aussi finalement la possibilité de rentrer dans ce jeu et donc, comme pour le web ou pour les réseaux sociaux, finalement l'importance de comprendre ces dynamiques et d'être capable d'être des acteurs pour les musées de cette évolution de manière à garantir leur autonomie et le juste, disons, la juste position entre s'en emparer et être complètement mangé par ce type d'évolution. Et puis une chose qu'on n'a pas du tout développée dans cet exposé, quelque chose qui me tient à cœur, qu'on a développé dans d'autres recherches, et en particulier c'était ce projet réplicable qui a été mentionné, qui était essentiellement basé sur la numérisation de la photothèque de la Fondation Chini, mais au fur et à mesure que la numérisation progressera, tous les modèles des objets sont présents sous une forme d'espace morphologique complexe. Vous avez vu cet espace latent. Il y a ici quelque chose d'important, de complexe, un peu compliqué à appréhender, mais il n'y a pas de doute vraiment que l'étude de cette phase soit un domaine de recherche à partir. Je vous remercie.